avec vous aujourd'hui pour cet atelier organisé par l'UFE, dédié à l'implantation internationale. Alors, on sera deux à intervenir aujourd'hui. Il y aura donc Catherine Song, General Manager de Pramex basée à Hong Kong. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour tout le monde. Et puis moi-même, donc Christophe Piquet, basé à Singapour et en charge du bureau de Pramex Singapour. Alors, notre objectif aujourd'hui sera de vous transmettre des informations vous permettant de benchmarker Hong Kong et Singapour et d'alimenter votre réflexion pour une éventuelle prise de décision. Alors, on dispose d'un temps très limité, puisqu'on a à peu près 20-25 minutes pour échanger avec vous aujourd'hui avant les questions-réponses. Aussi, on ne pourra pas être complètement exhaustif et totalement complet. Donc, on a décidé de faire simple et de mettre en avant des points qui sont systématiquement abordés par nos clients. Donc, il y a deux grandes parties. Première partie, on va essayer de mettre des éléments de comparaison entre ces deux destinations, Hong Kong et Singapour. Et une deuxième partie, on fera un focus un peu plus sur des aspects plus opérationnels liés à une implantation, que ce soit sur Hong Kong ou sur Singapour. Sachez que cette vidéo sera diffusée demain par email et que vous aurez bien entendu accès à cette présentation. Et que si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, on vous donnera à la fin nos contacts et nos coordonnées pour que vous puissiez échanger avec nous plus individuellement. Catherine, je te propose de démarrer avec ce premier slide, avec ces quelques chiffres clés, ces éléments de comparaison entre ces deux destinations. OK. Tout d'abord, juste quelques chiffres macro pour vous donner une vision globale sur la situation économique de Hong Kong-Singapour, surtout en comparaison avec la France. Ce sont deux petites villes hein, avec une population de 6-7 millions. Ils ont quand même une économie bien développée et en maturité. En plus, au niveau de taux de croissance, au niveau de PIB par habitant, Singapour et Hong Kong devancent la France. Aussi, un de leurs atouts, c'est vraiment la liberté de leur économie. Selon un sondage publié chaque année par World Heritage Foundation, Hong Kong, depuis plusieurs années, se classe toujours dans le premier rang pour cet indice. Les critères qui sont choisis pour évaluer, c'est vraiment le non-interventionnisme du gouvernement, la liberté du marché et l'efficacité du système fiscal. C'est pour la raison principale pourquoi ces deux régions attirent tant d'investissements étrangers, sachant que chaque année, Hong Kong attire à peu près 100 milliards US dollars. Singapour, 60 milliards, et la France, malgré sa taille plus grande, seulement 50 milliards. Ça vous donne une idée de comparatif. Alors après, on a mis un slide qui est qui peut paraître un petit peu trivial comme ça, surtout que je crois que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui sont déjà basés en Asie et qui vont bien comprendre ce qu'on va raconter, mais c'est quand même une question qui se pose souvent et en tout cas, il nous paraissait important de faire en sorte qu'on maîtrise bien la zone d'un point de vue géographique. Qu'est-ce que l'on constate finalement chez nos clients? C'est que Hong Kong sera souvent privilégié pour sa proximité géographique avec la Chine, avec Taïwan, avec le Japon et les Philippines. Tout à fait, Hong Kong sera souvent un point d'ancrage finalement pour adresser le marché et puiser dans ce marché de China Mainland, oui. dans cette Chine continentale, puisque depuis Hong Kong, on fait des allers-retours finalement journée sur Pékin ou Shanghai ou d'autres grandes villes de Chine. Et puis, il y a des liens très étroits entre Hong Kong et la Chine continentale. Peut-être que tu peux nous dire un mot sur le CEPA, par exemple, qui a été signé, je crois, en juin 2003 Tout à fait. et qui permet des choses entre ces deux destinations. C'est un accord entre Hong Kong et le gouvernement chinois. Depuis quelques années, c'est pour faciliter l'échange commercial et d'investissement entre les deux régions. En plus, c'est un accord qui s'évolue, comment dire, au fur et à mesure du temps. Par exemple, au début de cette année, il y a un CEPA pour l'investissement qui se signe. Là, le gouvernement chinois, il donne l'investisseur hongkongais, bien sûr, il y a certains critères, un statut de national treatment, c'est-à-dire qu'ils sont traités comme investisseurs chinois. C'est quand même un point très important. En plus, récemment, il y a les guidelines concernant la
la région de Grande Baie Oui. qui s'annonce. La Grande Baie, ça veut dire Hong Kong, Macao, plus 9 villes dans la province de Canton. Ça fait une zone importante sur le plan économique et une synergie va créer, surtout aussi pour renforcer la position leader sur le secteur financier de Hong Kong. Tout ça donne des points importants, C'est vrai. favorables à Non, c'est Hong vrai que le CEPA finalement invite les investisseurs étrangers à s'installer sur Hong Kong pour tirer parti des avantages de cet accord et afin Tout à fait. d'exploiter au mieux finalement les Le vastes marché chinois. opportunités du marché chinois. Si on regarde Singapour, bon, bah, Singapour finalement c'est très central par rapport à la zone ASEAN puisque vous êtes en 2 heures au moins sur des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande ou le Cambodge. En 4 heures, vous allez jusqu'en Inde, voire vous allez pour le coup vers Hong Kong ou Shenzhen, et puis en 5 heures, 5 heures 15, vous arrivez sur Perth en Australie. On le répète souvent, et ceux qui sont déjà basés en Asie le connaissent peut-être déjà, mais Changi est un aéroport comment dire, qui est souvent classé parmi les meilleurs aéroports du monde, notamment par rapport à sa facilité d'accès, par rapport à l'optimisation de ses processus douaniers et des processus de sécurité. Qui plus est, Changi est aussi un hub régional pour beaucoup de compagnies aériennes. La résultante de ces deux choses, c'est que finalement, on circule très librement et très facilement depuis Singapour sur l'ensemble de la zone ASEAN. Et la plupart d'ailleurs des expatriés et des personnes qui travaillent à Singapour passent une bonne partie de leur semaine à voyager Dans la région. cadre de leurs activités professionnelles dans la région. Ce qui peut poser d'ailleurs certains problèmes pour les conjoints qui restent pour le coup à Singapour. Quand on parle de Singapour, on ne peut pas ne pas évoquer la zone ASEAN. Hein. La zone ASEAN, finalement, c'est une zone hétérogène de 10 pays aujourd'hui, de près de 620 millions d'habitants. Je crois que c'est 9% de la population mondiale. Et c'est une population mondiale très jeune, avec un âge médian de 27 ans, je crois, versus 40 ici en Europe, très jeune et qui consomme. Et d'ailleurs, les taux de croissance dans la zone, je crois, sont prévus de plus de 5,5% pour la zone. Et à part, je pense, la Thaïlande et Singapour qui vont être sur des niveau de croissance du PIB à 3, 3,5%. La plupart des autres pays vont enregistrer des performances supérieures à 6 ou 7%. Donc l'ASEAN, c'est un marché considérable, totalement accessible depuis Singapour. Donc à cette question finalement, où s'installer, Hong Kong ou Singapour, il n'y a pas de réponse miracle et pas une seule réponse. Ça dépendra surtout, en tout cas d'un point de vue business, prioritairement des marchés à fort potentiel et donc de leur accessibilité depuis l'une ou l'autre de ces deux destinations. On va regarder un petit peu le cadre juridique, le cadre politique et la facilité à faire des affaires. Je ne sais pas si tu veux nous dire quelque chose. Tant que pour Singapour, la situation est simple, hein, c'est une république parlementaire avec une démocratie autoritaire. Par contre, la situation pour Hong Kong, c'est beaucoup plus complexe. Tout à l'heure, on a failli dire deux pays, mais politiquement, ce n'est pas du tout correct. Hein, c'est une région administrative spéciale sous le principe un État, deux systèmes. Donc, c'est la Chine, mais ce n'est pas la Chine. C'est la question souvent posée par nos clients. Hein. Quand le gouvernement chinois contrôle la partie démocratie, la partie diplomatie et la défense, Hong Kong est relativement autonome sur tous les autres. Hein. Hong Kong, on a notre propre monnaie, on a notre propre système judiciaire. On a la douane entre la Chine et Hong Kong, donc c'est une région très, très autonome. Mais on a quand même aussi des questions sur le futur de cette région, hein, parce que la Chine a promis de garder statu quo pendant 50 ans, presque 20 ans, 20 ans quelque chose est passé, et qu'est-ce qui ça va arriver d'ici 20 ans? Ces dernières années, on s'aperçoit quand même une influence de plus en plus forte du gouvernement chinois sur tous les aspects de Hong Kong. Ça aussi, ça rend à certains de nos clients de poser la question sur la stabilité politique de cette région, qu'ils sont soit dans la réflexion de créer un autre backup, un bureau de backup dans d'autres régions ou de quitter Hong Kong peut-être à terme. Ça, c'est un point aussi important.
Tant que pour la partie cadre juridique, les deux villes ont quand même pas mal de similitudes parce qu'ils étaient colonies britanniques pendant une certaine période. Donc, hériter ce système juridique common law, Oui. sont très transparents, très lisibles pour les sociétés étrangères. Ouais, moi, je pense, merci Catherine. Moi, je pense qu'effectivement, vous l'aurez compris, hein, ces deux destinations finalement rivalisent pour être en tout cas considérées comme le meilleur endroit du monde où faire des affaires. Même si je donnerais quand même un petit avantage à Singapour, notamment pour ce qui concerne le cadre juridique et pour la stabilité politique à moyen terme. C'est vrai que le climat politique très stable et très pro-business de Singapour a renforcé sa crédibilité comme centre international pour des investisseurs qui souhaitent s'y établir et développer leurs activités. Tout à fait. Et comment dire, l'avantage pour Hong Kong, c'est le lien avec le marché chinois. Absolument. Concernant l'environnement et la qualité de vie, là aussi, c'est vrai que ce sont des questions qu'on nous pose souvent hein, pour des entreprises. En tout cas, ou des expatriés qui viennent s'installer et qui connaissent pas forcément la zone, Hong Kong ou Singapour, qu'est-ce qui est mieux, etc. On n'a pas de réponse parce que c'est libre à chacun de décider du style de vie qu'il voudra avoir. Néanmoins, que les choses soient claires, c'est vrai que ces deux villes ne se ressemblent pas du tout, ni intrinsèquement, ni visuellement, hein. Vous avez une ville très, très verticale à Hong Kong, beaucoup plus horizontale à Singapour. Vous avez aussi deux climats très différents, puisque vous avez un climat, en tout cas, et des saisons à Hong Kong que vous ne retrouvez pas à Singapour, et ça peut avoir un impact sur cette qualité de vie quand on n'y est pas habitué. Et deux styles de vie radicalement différents. On ne va pas rentrer dans le détail. En revanche, il y a quand même quelques points communs. Ce sont deux villes très vertes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, hein, avec les 100 ou les 1000 treks à Hong Kong et ses collines tout autour du centre-ville. Tout à fait. Et puis Singapour, qui est considéré comme la cité-jardin de l'Asie. Donc, contrairement à des idées reçues que peuvent avoir certains qui sont venus travailler à Hong Kong ou Singapour pour quelques jours, ce sont mine de rien des villes très vertes et très nature. Ce sont aussi des villes très cosmopolites, beaucoup d'étrangers, plusieurs langues, une population aux origines finalement très, très diversifiée. Alors, pour Singapour, par exemple, il y a 75% de Chinois, 15% de Malais, 7% d'Indiens. Vous avez aussi dans les éléments qui les rapprochent des infrastructures finalement de classe mondiale, des systèmes de transport efficaces. Vous avez des écoles et des universités de renom et internationales. Et puis bien sûr, dans ces deux pays, on y parle anglais, même si je constate qu'à Hong Kong, de plus en plus difficile de se faire comprendre dans un taxi qui parle plus plutôt cantonais. Un dernier point important quand même quand on vient s'installer à Singapour, non négligeable, c'est la sécurité. C'est vrai qu'à Hong Kong comme à Singapour, on est quand même dans un environnement très sécure, très sûr, surtout à Singapour. Et ça, c'est quand même très, très appréciable. Alors pour conclure, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais j'ai envie de dire qu'Hong Kong est Ouais, peut-être plus exotique. j'ai vu une remarque concernant ville propre et ville jardin. Ça vient de Jean-Luc. Ville propre et ville jardin, tant que les fumées Ne de recouvre pas incendiaire la ne sont ville. pas. Oui. Aussi, Hong Kong, aussi, quand c'est pas très pollué, quand il n'y a pas de vent comment dire, du nord qui vient de Chine, là, c'est Alors, un Hong peu Kong, il peut y pollué. avoir ce vent du nord qui amène effectivement. Et puis à Singapour, on a le fameux haze. Bon, je vais pas, on peut pas en parler là parce que on n'a pas trop de temps, mais une qualité de vie quand même très agréable, je pense, dans ces deux stations. Alors, Hong Kong, pour moi, est plus exotique. Elle est plus vivante, elle a plus d'énergie. Plus dynamique, Singapour est plus calme, peut-être plus familial d'une certaine manière, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas aller s'installer en famille à Hong Kong, évidemment. Il y a quand même un point différenciant qui donne un avantage encore un petit peu à Singapour, je pense que c'est l'immobilier. Faut pas, on est quand même dans deux villes qui. Bah, le coût de la vie est quand même assez important. Vous pouvez plus ou moins trouver une maison de 400 mètres carrés avec piscine à Singapour pour le même prix qu'un appartement dans un condo. Ultra moderne de 90 mètres carrés à Hong Kong. Donc il y a quand même un avantage, je pense, à Singapour par rapport à l'aspect hébergement, budget. Enfin, pour se décider, à mon avis, il n'y a pas d'autre choix que de Après, venir si sur vous vous place. ennuyez en Singapour après quelques années, vous On pouvez peut toujours toujours aller sur Hong déménager à Hong Kong. Kong, Exactement. hein? Enfin, venez sur place et faites votre choix par vous-même. On ne peut pas vous en dire plus aujourd'hui. Concernant la main-d'œuvre, qu'est-ce que tu peux nous dire là sur la main-d'œuvre? Par rapport aux main-d'œuvre, comme on a déjà indiqué, les deux villes ont des systèmes d'éducation très efficaces et
des universités très connues. Donc, il y a une main-d'œuvre bien qualifiée qui sont formées, qui sont disponibles. Par contre, on est sur une économie de croissance quasiment en plein emploi. Le taux de chômage est inférieur à 3% Il est dans les deux de villes. à Singapour, il est de, je crois, de 2,1%, quelque chose comme Tout ça. à fait. Donc, sur le marché du travail, c'est quand même, c'est pas facile de fidéliser les gens et de retenir les gens. Alors C'est c'est un point à considérer peut-être très différent par rapport au marché du travail en France. La question, c'est que c'est un marché fluide hein, au niveau de l'emploi. On va parler de droit social un petit peu plus loin, mais c'est vrai que parfois on peut C'est se demander, c'est pas un peu mobilité. trop fluide. Voilà, c'est. Des fois, c'est bien pour les employeurs parce que c'est relativement facile de terminer le contrat de travail hein, à Hong Kong, en tout cas à Hong Kong. Et à Singapour aussi. Mais après, pour les retenir, il faut aussi faire beaucoup d'investissements, pas seulement financiers, mais un peu sur d'autres aspects. En termes de bénéfices, etc. Tout à Effectivement. fait. Aussi, par rapport à tous les, comment dire, les profils un peu haute technologie, les deux villes sont très demandeurs parce qu'ils veulent construire un centre R&D, un centre d'innovation de l'Asie. C'est pour ça que la politique d'immigration est aussi relativement flexible pour ce genre de profil. Même des fois, ils proposent des subventions. Je sais que Singapour est très fort sur ces aspects. Pour attirer des talents, pour attirer des projets. Hong Kong aussi, récemment, il y a eu pas mal de politiques qui ont été mises en place. Donc, pour ça, il faut qu'on regarde case by case, projet par projet, voir quelles sont les disponibles, quelles sont les subventions et politiques favorables disponibles dans les deux pays. Ok, bon, écoute, merci Catherine pour cette information. On a fini la première partie sur des premiers éléments de comparaison. On va passer à la deuxième partie qui concerne plutôt les problématiques d'implantation hein, d'une structure sur Singapour et sur Hong Kong. Concernant les formes juridiques principales qui existent, en tout cas les formes d'implantation possibles sur Hong Kong et sur Singapour, vous retrouvez un peu le schéma standard que vous avez dans plusieurs pays à travers le monde. D'ailleurs, le bureau de représentation, le representative office, la branche, la succursale, et la subsidiary ou la filiale. Le rep office, finalement, c'est un mode d'implantation qui va vous permettre d'explorer un marché et qui va vous permettre donc de réaliser des études de marché de faisabilité, de rassembler des informations sur les différents pays et marchés de la zone, de comprendre les attentes de vos clients ou de participer à des salons professionnels. Il y a quand même deux spécificités à Singapour. La première, c'est que vous ne pouvez pas avoir un bureau de représentation à Singapour et démarrer ou engager une activité commercial, c'est très clairement expliqué. Et le deuxième point à Singapour, et qui est très différent avec Hong Kong, c'est que le bureau de représentation est une solution temporaire. Hein, à Singapour, vous pouvez avoir un bureau de représentation pour une durée maximale de 3 ans, mais vous devrez, au cours de ces 3 années, demander un renouvellement annuel, ce qui n'est pas non plus garanti. D'accord? Donc, c'est une solution qui est finalement très peu souvent utilisée sur Singapour. La branch, j'en parle très rapidement, c'est une entité légale, mais qui est considérée comme non résidente. C'est une extension de la maison mère. Et donc, non seulement toutes les responsabilités sont étendues à celle-ci, mais en plus, la succursale ne pourra pas bénéficier d'exemption fiscale. La filiale, quant à elle, est ce qu'on appelle souvent la PT Limited sur Singapour. Private limited sur Singapour et Absolument. limited company sur Hong Sur Kong. Hong Kong, on parle là d'une entité juridique hein, constituée localement et dont l'actionnaire majoritaire peut être français ou étranger, avec une possible participation étrangère à 100%. C'est une entité légale distincte, donc avec une responsabilité limitée à sa propre identité juridique et donc distincte de ses actionnaires et de ses administrateurs. En tant qu'entité commerciale incorporée, forcément, la filiale jouit et offre une meilleure image qu'un bureau de représentation, qu'une succursale, et jouit bien entendu d'une fiscalité plus intéressante. Juste à titre d'information, sur Singapour, je crois qu'en mars 2017, ça date un petit peu, mais il y avait à peu près 715 entités enregistrées à Singapour d'origine française, et 685 d'entre elles étaient des PT Limited. Donc 95% des structures implantées à Singapour étaient des filiales, et seulement 33 d'entre elles étaient à la fois des bureaux de représentation ou des succursales. Donc la statistique démontre ce que je viens d'expliquer juste là.
Peut-être que tu peux nous parler des éléments constitutifs clés de la constitution d'une Private Limited à Singapour ou à Hong Kong, s'il te plaît. Comme vous voyez sur l'écran, hein, c'est le processus pour création à Singapour, à Hong Kong, c'est relativement simple et transparent. Ici, je tiens à attirer votre attention sur trois points. Le premier point, c'est au niveau du directeur. Tant qu'à Hong Kong, vous n'avez pas besoin de nominer un directeur qui habite Hong Kong, qui est résident à Hong Kong. À Singapour, c'est le requirement. Il demande qu'il y a au moins un directeur qui est citoyen singapourien ou qui est un résident permanent singapourien ou un résident, un expatrié qui détient un IP à Absolument. Singapour. Ce point-là, c'est très différent. Le deuxième point, c'est par rapport au capital minimum. Les deux ont minimum, vraiment très minimum. Ouais. Par contre, au Singapour, à l'heure de l'ouverture de compte bancaire, activation de compte bancaire, ils vous demandent de libérer tout le capital en juste, tant que ce n'est pas vraiment le cas à Hong Kong. En plus, d'après ce que je comprends, au Singapour, pour pouvoir demander un IP, embaucher un étranger, il faut quand même avoir un capital minimum de 500 000 SGD. 50. Cin 50 000, Voilà, désolé, 50 000. bon, c'est vrai qu'on peut constituer une structure avec un dollar singapourien de capital de départ. Est-ce que c'est ce que l'on recommande à la plupart de nos clients? Enfin, c'est au cas par cas, mais bien souvent, nos clients ouvrent des structures avec un petit peu plus de capital qu'un dollar. C'est plus sérieux, c'est plus crédible vis-à-vis des futurs partenaires, des futurs clients, même partenaires bancaires. Mais au-delà de ça, c'est vrai que si vous voulez sponsoriser, puisque le permis de travail est sponsorisé par l'entité juridique, un employment pass et de règles un peu communes qu'il faudra avoir un minimum de capital de 50 000 dollars. Ce qui ne veut pas dire qu'il faudra faire 50 000 à chaque fois pour demander un IP, mais voilà, pour ça, on pourra en discuter à part. Un autre point quand même sur le company secretary, ça peut être une personne morale physique à Hong Kong, alors qu'à Singapour, ça sera également une personne physique résidant de Singapour. Et la domiciliation légale, peut-être, c'est contrairement à certains pays où on n'a pas besoin de justifier d'un bail. D'accord? Ça peut être une adresse virtuelle ou en tout cas une domiciliation, c'est des prestataires de services comme nous. Chez Pramex, on offre évidemment cette. Il y a aussi un autre point important, c'est l'ouverture de compte bancaire. À Hong Kong, c'est un sujet qui complique la vie de beaucoup d'entreprises ces dernières années parce que les banques veulent, comment dire, renforcer leur compliance interne, aussi en même temps nettoyer leur portefeuille. Pour nous, dans la plupart des cas, il faut compter de 1 à 3 mois pour ouvrir un compte bancaire à Hong Kong. Sur Singapour, sur l'année 2018, on était sur allez, 4 semaines de délai pour vraiment activer le compte bancaire. Ça s'est un petit peu rallongé en fin d'année. Et puis, jusqu'à présent, on arrivait à ouvrir un compte bancaire sans pour autant avoir un entretien physique d'un dirigeant français, par exemple, qui viendrait s'installer à Singapour. Désormais, de plus en plus, les banques vont nous demander d'avoir cet entretien physique à Singapour, et donc il va falloir, est-ce qu'il peut donc rallonger un petit peu le processus d'ouverture de compte aujourd'hui? C'est déjà le cas pour les banques À de Hong Kong. hongkongaises, la plupart Ouais. des cas. Ouais. En soi, c'est pas impossible, c'est pas complexe. Le tout, c'est de transmettre les informations et les documents nécessaires, attendus par la banque, de manière claire, pour qu'il n'y ait pas d'aller-retour pour. Voilà, pour des raisons de compliance et de KYC. Il nous reste finalement peu de temps, il nous reste quelques minutes pour terminer, donc on va aborder l'environnement fiscal, l'environnement social. Comme on a indiqué, hein, les deux environnements avec un système fiscal très light et très flexible, le taux se rapproche aussi parce qu'il y a une concurrence. Je pense qu'il y a une différence importante, c'est à Hong Kong, il n'y a pas de TVA, tant qu'à Singapour, il y a GST. Ouais, la GST, elle est de 7%, mais on peut ne pas être assujetti à TVA sur Singapour si l'entreprise n'a pas fait plus d'1 million de dollars de
singapouriens de chiffre d'affaires. On ne prévoit pas dans les 12 prochains mois de faire plus d'un million. Dans quel cas, vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer à la TVA. Dans l'inverse, vous serez obligé. Concernant l'audit annuel et statutaire, l'audit statutaire, il est obligatoire dans Ah, les deux Hong Kong, pays. oui. La seule différence, c'est qu'à Hong Kong, il peut être en fonction des critères qui sont listés ci-dessous, c'est-à-dire le chiffre d'affaires annuel moins de 10 millions de dollars, un total d'actifs de moins de 10 millions de dollars, ou un nombre de salariés de moins de 50. Si la filiale singapourienne appartient à un groupe, et je parle en groupe Consolidé Monde, qui remplit pas au moins deux de ces critères, alors elle peut être exemptée d'audit statutaire. Voilà pour ce qui est de la fiscalité. Concernant. Juste, j'ajoute un mot, il y a une convention fiscale signée entre le Singapour et la France, même chose pour Hong Kong et la France. C'est déjà un point important. Bon. Concernant le droit social et l'immigration à Singapour, sur Hong Kong, est-ce qu'il y a des éléments que tu veux faire ressortir? Oui, c'est juste quand vous faites le business plan, si vous faites un business plan comparatif, au niveau de charges sociales, Hong Kong, c'est plus light. On a 5% côté employeur et 5% côté employé avec un plafond de 1 500 Hong Kong dollars. Ce sera un peu plus important à Singapour. Deux points sur Singapour. Sur Singapour, effectivement, si vous êtes Singapourien de nationalité ou résident permanent, vous allez payer des charges salariales à hauteur d'à peu près 20% et des charges patronales de 17%. En revanche, si vous êtes détenteur d'un permis de travail, ce qu'on appelle d'un EPI, d'un Employment Pass par exemple, vous ne payez pas, l'employeur ne paye pas de charges patronales et vous ne payez pas de charges sociales. Concernant le Singapour, j'ai noté l'Employment Act. L'Employment Act régissait jusqu'à présent l'ensemble des salariés à Singapour qui n'étaient ni manager ni exécutif et qui n'avaient pas un salaire supérieur à 4 500 dollars par mois. Ça change à compter du 1er avril. Donc, dans quelques jours, l'Employment Act sera désormais applicable à l'ensemble des salariés, quel que soit leur niveau de rémunération sur Singapour, ce qui va avoir un impact sur un certain nombre de sujets, mais notamment sur le nombre de congés payés minimum, sur les arrêts maladie, les public holidays, voilà, un certain nombre de choses qu'il va falloir prendre en considération à partir du 1er avril. Concernant les visas, c'est quand même un point important, on nous pose souvent des questions là-dessus. Comment ça se passe sur Hong Kong pour faire un visa? Est-ce que c'est compliqué? Quels sont les délais à petit? Pour la plupart de nos clients, on n'a pas eu vraiment de problème de visa. Le délai d'obtention, on compte, j'en dis, c'est 6 semaines après le dépôt du dossier. Des fois, après, il y a un peu d'aller-retour. Donc, si on compte 2 mois, ça doit être OK. Après, pour les jeunes diplômes, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on peut toujours demander des training visa ou des working holiday visa, considérant qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience professionnelle. Ça, c'est aussi des options possibles. Absolument. Ouais, sur Singapour, Singapour a quand même une politique d'immigration ouverte avec des dispositions appropriées en matière de visa de travail, et ce qui facilite d'ailleurs d'une manière générale l'installation de travailleurs étrangers et qui souhaitent s'établir à Singapour. C'est quand même aussi un peu l'histoire de Singapour qui a dû s'ouvrir vers le monde pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Vous avez plusieurs formes de visa possibles. Le plus commun qu'on voit, en tout cas, ça sera. Je ne parle pas de visa pour de la main-d'œuvre. Ça sera l'Employment Pass et le Dependent Pass pour les conjoints ou les enfants qui viennent s'installer sur place. Nous, aujourd'hui, nous sommes sur des délais de 4 à 6 semaines pour l'obtention d'un. Ça peut être moins, en fait, hein, mais je préfère rester un peu large. 4 à 6 semaines pour l'obtention d'un Employment Pass. La procédure n'est pas si compliquée que ça, mais il faut un certain nombre, enfin, faut préparer un certain nombre de documents, voilà, être assez rigoureux dans Bien cette sûr, approche. Bien sûr, ouais. nous, Pramex, on s'occupe de ce genre de démarche, on a l'habitude de le faire. Il ne faut pas s'y prendre au dernier moment non plus, parce que ce n'est pas non plus une science exacte, même si jusqu'à présent, nous, on n'a jamais connu de problème sur Singapour, sur ces sujets-là. On arrive à la fin, on est déjà à je crois, 21 minutes. Je crois que donc on va conclure. Finalement, les grandes questions que se posent nos clients aujourd'hui, hein, où sont mes clients, où sont mes fournisseurs, finalement, quels sont les marchés stratégiques et quel sera donc le meilleur emplacement en termes d'accessibilité à ces marchés, Hong Kong ou Singapour? Est-ce que je suis plutôt dans une activité industrielle ou de service?
Ce projet d'implantation a comporté une dimension industrielle ou de maintenance. Dans quel cas, peut-être que Hong Kong, Shenzhen font plus de sens. Si vous êtes plus sur de la R&D et de l'innovation, Singapour, en tout cas, met beaucoup de choses en œuvre pour attirer ces investissements sur Singapour. Et puis, le capital humain, c'est à la fois quid de la ressource disponible et des budgets engagés si vous voulez monter une équipe ou sur place. Et à titre plus personnel, finalement, quel environnement et quelle qualité de vie vous souhaitez avoir pour vous et pour votre famille. Quoi qu'il en soit, ces devises sont très sont intéressantes, Fascinante. c'est fascinant. Il est simple de venir s'installer à Hong Kong et à Singapour, mais il faut s'y préparer. Voilà. Il y a quand même plein de choses à savoir et plein de questions à se poser avant de mener à bien ce projet. Une petite citation du monde pour finir. Je ne sais pas si tu veux la commenter ou rajouter un petit mot. Non, je pense que c'est une bonne synthèse, hein. Après, ici dans la présentation, on a indiqué c'est Hong Kong ou Singapour, mais ça peut être en même temps. Je dis pour une société, hein, c'est Hong Kong, hein, et Et Singapour, Singapour, parce que ouais. beaucoup de nos clients choisissent d'implanter un bureau Regional Office à Hong Kong et gèrent le bureau de Singapour à Paris-Hong Kong ou vice-versa. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment une vraie concurrence, ça peut aussi être complémentaire, comme le bureau de Pramex. Absolument, absolument. Donc, on passe sur Pramex, mais je vous mets ici nos coordonnées. Donc, Catherine Song, qui est basée à Hong Kong et qui dirige nos deux filiales de Hong Kong et de Singapour, de Hong Kong et de Shanghai, pardon, que vous pouvez contacter sur kathleen.song@pramex.com, si vous ne voyez pas bien ce qu'il y a à l'écran. Et puis, donc, moi-même, basé à Singapour, en charge de l'Asie et de ceux du bureau de Singapour, christophe.piquet, Piquee, @pramex.com. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous, poursuivre cet échange de manière plus individuelle. Le temps était limité, on n'a pas pu tout creuser, on est allé assez vite. En tout cas, deux destinations fantastiques, je vous invite à venir les découvrir. On va peut-être regarder les Les questions, questions. oui. J'en vois une sur le. Alors attends, j'en vois une de Jean-Pierre sur le contrôle d'échange. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là sur la Chine et Hong Kong notamment? Le contrôle de change, oui. Effectivement, en Chine, il y a le contrôle de change, mais ce n'est pas le cas à Hong Kong ni à Singapour, hein. Donc, c'est deux villes où l'argent arrive et partit très facilement. Donc, on confirme, il n'y a pas de contrôle de change, ni à Hong Kong, ni à Singapour. D'accord. Une autre question intéressante de Guillaume, je la lis. Hein. Bonjour, est-il toujours préférable de passer par une société holding hongkongaise avant de s'implanter en Chine ou est-ce plus facile en direct maintenant? Ça, c'est une vraie C'est une bonne question question. très classique, Très je classique, crois. ouais. J'en ai discuté avec deux ou trois clients la semaine dernière sur ce sujet-là. Pour vous répondre, je pense que c'est un case by case. Dans certains cas, c'est toujours intéressant de passer par Hong Kong. Mais il y a maintenant plus d'entreprises qui choisissent de s'implanter en direct en Chine. Il n'y a pas une réponse toute faite. Ça dépend vraiment de l'objectif de la société. Est-ce que vous êtes en association avec un partenaire? Quel est votre flux dans la région asiatique? Ça, c'est plutôt un case by case, comment dire, étude. Vous pouvez nous envoyer un email pour fixer un call ou un rendez-vous. Comment dire, on peut échanger sur ce Absolument. sujet-là. Agnès nous demande le support de la présentation. Ce sera donc diffusé par email demain, cette vidéo. Si vous souhaitez le support en soi, contactez-nous directement. On sera un plaisir de vous la transmettre par email. Et Florent nous demande, est-il possible de créer une entreprise à Singapour ou à Hong Kong sans y vivre? Alors, je ne sais pas quel est le fond de la pensée de Florent. Sur Singapour, évidemment, vous n'êtes pas obligé de venir vivre pour se créer une filiale. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura quand même des problématiques fiscales qu'on va devoir étudier. C'est pourquoi vous créez cette structure, qu'est-ce que vous comptez y faire? Deuxièmement, il faut savoir que nous, en tout cas chez Pramex, les structures holding à Singapour, aujourd'hui, on ne va pas les prendre en main parce qu'on s'aperçoit qu'ouvrir un compte bancaire aujourd'hui à Singapour pour une entreprise dite holding ou dormante, ça devient extrêmement compliqué. Les banques ne sont plus intéressées pour ouvrir ce genre de compte. Voilà. On est confronté à ce sujet-là en ce moment même. Sur Hong Kong, il y a un statut peut-être offshore Il y a ou un autre, je ne sais statut pas. offshore, mais c'est à peu près pareil. Hein.
Créer une société, c'est jamais un problème. Après, le problème se trouve sur le compte bancaire. La banque va questionner quel est votre objectif de créer cette entité, comment c'est organisé le flux, tout ça, les questions, toutes ces questions auxquelles il faut répondre avant d'avoir un compte bancaire. Je vois deux remarques et une question. Alors, une première remarque de Jacques qui dit que Singapour est une destination fabuleuse pour y travailler, je confirme, et pour y vivre. À l'époque, les petits entrepreneurs pouvaient y tenter leur chance. Maintenant, l'augmentation vertigineuse des loyers professionnels et des contraintes juridiques plus fortes ne rendent pas cela possible pour des filiales. Ne rendent cela possible que pour. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. 95% de nos clients sont des startups et des PME ou des ETI françaises et pas du tout des grands groupes qui viennent s'installer à Singapour. C'est simple de s'y installer, c'est efficace. C'est vrai que d'un point de vue budgétaire, il faut se préparer. Mais aujourd'hui, on peut trouver des bureaux à des prix intéressants. Je partage pas ce point de vue-là, Voilà. mais Je pense en général, parce que ce sont déjà deux économies, comment dire, mature. matures, en deux cas, c'est sûr, même Hong Kong, hein, il y a moins de cette chance d'aventure pour les entrepreneurs. Hein, le coût est plus élevé. Ouais. Mais après, on voit que surtout dans la partie innovation, Smart City, tout ça, Ouais. les deux villes ont quand même comment, une place à proposer pour les entrepreneurs. Absolument. Et vous rayonnez quand même sur toute une zone qui est la ZAN depuis Singapour. Il y a quand même beaucoup de. Et le cadre juridique est quand même très sécurisé par rapport à ce qui peut se faire en Thaïlande ou ailleurs, où il y aura peut-être des coûts moindres. Je ne parle pas de l'Indonésie, où investir là-bas, c'est quand même aujourd'hui, en termes de, notamment rien que de capital, très compliqué. Je vois une autre question qui sont. Quels sont les critères essentiels pour les banques de Banque. manière à faciliter l'ouverture du compte? Ouais. De mon expérience, c'est justement, il faut bien présenter le business. Il faut prouver vraiment il y a comment dire, un vrai flux sur Hong Kong. Idéalement, il faut avoir aussi des bureaux physiques et des employés pour justifier. Parce que le offshore statut, comme on a dit tout à l'heure, c'est possible, mais les banques, à l'heure actuelle, ils ne veulent pas prendre des comptes comme ça. Alors, c'est vrai que ça, c'est important. Et après, dans la documentation, finalement, il va falloir montrer patte blanche. Il nous faudra la structure actionnariale de Bien l'entreprise sûr, en bien sûr. anglais, bien détaillée, et les ultimate beneficiaries, enfin, les actionnaires Tout ça, ultimes, ouais. Pour le devront KYC, ouais. transmettre leur passeport, une preuve de domicile. Voilà. La banque veut être certaine d'éviter tout risque de ce qu'on appelle de money laundering et financing terrorism. Évidemment, si vous êtes dans une structure qui fait déjà, qui réalise, qui a une activité commerciale avec des pays comme le Soudan, la Syrie, la Corée du Nord, etc., c'est pas fréquent, nous on n'en a pas, mais ça fait partie des questions qui sont posées par les institutions Ce bancaires. sera un non tout de Ça suite. sera Ouais. probablement une réponse négative quasi immédiate, hein, faut le savoir. Alors, une question. Quelle question? Comment sont gérées les multi-devises Ouais. au niveau des banques? Multi-devise, c'est à Hong Kong, c'est facile. Hein, quand vous ouvrez un compte en US dollar, vous pouvez en même temps ouvrir un compte comment dire, en yen, en renminbi, en euros, c'est très facile à gérer. Vous pouvez faire des conversions comment dire, quand vous voulez et quand vous souhaitez. Alors, merci Jacques, puisqu'il nous répond, qu'il nous donne raison et qu'il vient de vérifier les prix du loyer dans le CBD. Bah super, on est ravis d'être sur la même ligne. Alors, bonjour. Est-ce qu'il y a des écarts significatifs dans les budgets d'implantation à prévoir entre Singapour et Hong Kong? Ça vient de Sébastien. Ça vient de Sébastien. Je dis, au niveau de loyer, ça peut être plus important à Hong Kong. Au niveau Ouais. de salaire, en fonction de profil, d'après ce que je vois, c'est presque similaire.
Il n'y a pas un écart si important, mais peut-être il y a cette partie charge sociale au Singapour, il faut ajouter, Il n'y a pas de charge sociale. pour les employés locaux. Ah, pour les employés locaux, oui, Oui, c'est sûr. locaux. Oui. Après, pour le reste, je vois pas non plus un écart En termes important. d'école pour les enfants, que je regarde les gros Ah oui, postes c'est hein, vrai, d'expat, c'est kiff-kiff, je oui. pense, entre le lycée français de Singapour et celui de Hong Kong. Je ne connais pas le tarif à Hong Kong exactement, mais bon. Avoir une voiture à Singapour, ça peut être utile, même si ce n'est pas obligatoire et ça coûte très cher, alors qu'à Hong Kong, on n'a généralement pas de voiture quand on vit sur place. Au niveau de la Ça santé et dépend. du. C'est le Ouais, parking qui ça est plus dépend, cher, ouais, c'est ça pas la dépend, c'est vrai. voiture. Après, non, c'est vraiment l'hébergement. Et l'hébergement, c'est quand même un gros, gros plus à Singapour, en tout cas versus Hong Kong, je pense. Après, dans le fonctionnement de l'entreprise, je pense qu'il y aura pas d'écart significatif. Est-ce que le compte bancaire d'une société nouvellement créée dans un autre pays est une solution viable? Ouais, je pense que vous parlez de compte offshore, hein? C'est ça? Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais est-ce que vous parlez le compte offshore par exemple, vous avez une société à Hong Kong et vous choisissez d'ouvrir un compte offshore à Paris avec une banque française. Ça peut être des solutions temporaires, comment dire, qui marchent quand vous n'avez pas beaucoup de flux. Après, c'est un problème de coût, hein, si vous avez beaucoup de transactions, surtout avec les sociétés à Hong Kong, le coût va augmenter. Après, si c'est une holding d'investissement, vous l'utilisez seulement pour un transfert de capital vers la Chine et tout ça, ça pose pas de problème. Voilà, je ne vois pas de nouvelles questions apparaître. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Alors, Alex pose une question. Bonsoir, est-il possible de créer une structure à Singapour Pour pour sa sa qualité, qualité de vie, mais sans mais sans lien direct avec le pays? ligne. Ou cela bloque-t-il à un moment, enregistrement d'entreprise, visa, etc. Bah, alors, je suis pas sûr nous, on a beaucoup d'entreprises françaises qui viennent s'implanter à Singapour et qui ont souvent un double objectif. Enfin, c'est à la fois d'adresser le marché singapourien. Tout dépend de la nature de l'activité et de la typologie des clients recherchés. Certaines vont venir chercher des clients français, donc des structures régionales à Singapour, des headquarters régionaux pour la zone ASEAN, de grands groupes français qui sont leurs clients en France, ils veulent les démarcher à Singapour. D'autres vont aller chercher des clients purement singapouriens. Et d'autres vont en fait s'implanter à Singapour pour développer une activité commerciale sur la zone ASEAN. Quoi qu'il en soit, la ressource sera basée à Singapour et depuis Singapour développera une activité commerciale sur Singapour et ou sur la zone ASEAN et parfois même. Sur l'Asie, Parfois sur ouais, l'Asie, plus que sur Singapour en soi, ce qui ne pose aucun problème. La facturation se faisant depuis Singapour vers les clients de toute la zone. À partir du moment où vous résidez à Singapour, d'un point de vue individuel, vous devrez remplir vos obligations fiscales à titre personnel et l'entreprise devra, d'un point de vue de sa fiscalité, facturer, enregistrer la marge à Singapour et payer ses impôts. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais à votre disposition pour en reparler de manière plus individuelle. Il y a une question de Manu. Est-il Ah. facile pour le conjoint, conjointe de travailler à Singapour, le Oui, visa de conjoint, ça? il y a plusieurs façons de faire. Soit le conjoint trouve une entreprise qui souhaite sponsoriser un autre hippie. Ce qui est tout à fait possible. Soit il y a ce qu'il s'appelle la LOC, la Letter of Consent, qui est un autre moyen pour un conjoint qui possède donc un DP, je ne parle pas des autres visas, du long terme, visit pass, etc., et qui va vouloir travailler, qui va se voir offrir une Letter of Consent. Donc oui, un conjoint à Singapour peut effectivement engager des recherches et démarrer une activité professionnelle.
Et à Hong Kong, pour un visa de conjoint, il a le droit de travailler. C'est pas un problème. Il y a une autre question, je crois aussi, c'est pour Singapour. Alors, Agnès, Ouais. est-il compliqué d'ouvrir un compte en banque à Singapour suite à la création d'une entreprise De conseil conseil. audit à Singapour pour activer sur la zone asiatique tout en résidant aux Philippines? C'est ce qu'on en a déjà parlé en fait, hein, mais à partir du moment où vous créez une entité juridique à Singapour, notamment une PTI Limited, si vous démontrez que cette entreprise va avoir une vraie substance économique, va avoir des flux financiers, qu'elle ne sera pas dormante, si vous transmettez à la banque tous les documents requis par la banque de manière tout à fait transparente, vous devriez pouvoir ouvrir un compte bancaire. Alors c'est vrai que si vous me dites que la structure à Singapour n'aura aucun employé, il va peut-être y avoir des sujets liés à la fiscalité qui vont ressortir et certaines banques vont peut-être considérer que n'ayant pas d'employé, il n'y aura pas de payroll, il n'y aura pas de flux Des finalement. factures. Voilà, donc voilà, encore une fois, il faut qu'on en discute un peu plus et qu'on. Jean-Pierre Leclerc écrit, je crois savoir que Singapour publie régulièrement une liste d'activités interdites aux étrangers. Alors, là, je vais sortir un joker, Catherine. Je ne sais pas s'il y a des activités interdites aux étrangers. C'est possible. Après, il y a des activités qui vont être réglementées Réglementé, oui, c'est le cas et à Hong seront Kong, assujetties à certaines licence licences ou complémentaire. autres. Interdites, peut-être. Je ne vais pas dire non. Je vais sortir mon joker sur cette question. Merci à tous, on nous remercie. Donc, La restauration. dans la restauration, je ne sais pas, je ne peux pas y répondre. Voilà, bah écoutez, je pense que on va terminer cette session. On était ravis d'échanger et de Avec vous, participer pendant ces combien, 46 minutes. J'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à nous contacter, on sera toujours très content de discuter avec vous et de vous donner d'autres informations. Merci à tous. Merci, merci. Au revoir.